Un peu le bilan de IBL Foundation 2009 à 2013. Alors, quand on a fait le bilan de tout ce que nous avons pu faire, on a comptabilisé 400 projets qui ont été réalisés et plus de 100 000 enfants qui ont été touchés et un budget de 36 millions qui a été dépensé. On l'a dépensé et on a fait ces projets-là à trois niveaux. On a appelé ça les projets nationaux via donc les ONG qui sont très impliquées sur le terrain et qui maîtrisent parfaitement, disons, leur travail. Ce qu'on a appelé aussi les projets corporate, ça c'est le deuxième niveau où c'est plus, si vous voulez, IBL qui a créé un projet en particulier ou qui s'est investi particulièrement dans un endroit, entre autres Anoushka. Hein, on est à Anoushka depuis 2010. On a pris sous notre aile ce village et on a plusieurs projets qu'on met en place et qu'on a mis en place et qui sont toujours en vigueur à Anoushka, dont un projet d'alphabétisation qui est important et un projet de formation pour les femmes. Ensuite, on a le niveau qu'on appelle les projets sourire, où là, ce sont nos bénévoles, nos employés qui sont impliqués eux-mêmes sur le terrain, qui ont un budget CSA par année qu'ils gèrent, ils sont empowered et à qui on donne du temps, si vous voulez, qu'ils peuvent utiliser pour aller faire du travail bénévole sur le terrain. Donc, avec ça, on a pu réussir à vraiment être partout à Maurice, dans toutes les régions et les régions les plus reculées, et faire des projets très particuliers, très spéciaux, mis en place par nos propres employés. Voilà. Quels sont un peu les axes de l'action CSA de l'IBL? Parce que je vois beaucoup sur le socio-économique, beaucoup d'argent a été investi, comme vous dites, dans l'éducation des enfants. Oui. Pourquoi cet axe-là? Ben pour nous, parce que d'abord, il faut savoir qu'effectivement, la mission d'IBL Foundation, c'est l'enfance, et l'enfance vulnérable en particulier, et que pour nous, l'enfant, c'est l'adulte de demain, hein, c'est le citoyen de demain, c'est donc l'avenir de notre pays, et qu'un enfant non éduqué, il a peu de chances de pouvoir s'intégrer dans la société et d'avancer. Donc, évidemment, l'éducation est quelque chose de fondamental. Mais l'éducation, c'est pas seulement l'éducation académique. Ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça peut être... aussi le développement des valeurs humaines, et ça touche tout ce qui est développement de l'enfant. Et puis tout ce qui est socio-économique, on va dire l'éradication de la pauvreté, donc là on parle plutôt des besoins primaires, c'est-à-dire manger, s'habiller, avoir un logement, on n'est pas dans le logement social, mais quand même on aide à plus au niveau de ce qui est alimentaire, et aussi le développement des scripts valeurs, donc on parle des droits humains dans tout ce qui est socio-économique, et puis de tout ce qui est aussi, on va dire, protection aussi de l'enfant et des enfants maltraités. Tout ça se retrouve là, dans ce code-là, d'après les CSR Guidelines. Donc, ces deux pôles-là, pour nous, sont essentiels. C'est ce qui peut assurer, si vous voulez, un certain équilibre à l'enfant pour qu'il puisse devenir un adulte bien dans sa peau et responsable plus tard. Voilà. Et pour 2012-2013, je voyais une somme de 8 millions d'euros qui a été allouée pour le CSA. Quels sont les projets que vous avez financés? Alors, on reste toujours très présent à Anoushka. Anoushka, on n'abandonne pas, même si des fois le travail est difficile. On reste à Anoushka, on reste présent aussi à l'école Serge Couté. Et puis, on a mis beaucoup, beaucoup l'accent cette année à aider les ONG à payer les salaires des intervenants. Ça, c'est pour nous très important. On s'est rendu compte que si on n'assure pas les salaires des intervenants, il y a beaucoup d'ONG qui sont dans des difficultés financières importantes, les services sont interrompus. S'il n'y a plus de services pour les enfants, c'est un problème. Et ensuite, il faut assurer aussi l'emploi. Donc, en donnant, si vous voulez, en maximisant, si vous voulez, nos donations sur ce qui est salaire et alimentaire, pour nous, on est en train de desservir deux choses. Les besoins alimentaires de base d'un enfant. On est sûr au moins qu'il va venir à l'école, OK, où il vient, ou dans son centre où il va prendre des cours, etc. Et deuxièmement, on assure les salaires qui va permettre le service de base et qui va permettre à une famille, le salarié, de continuer à pouvoir lui aussi vivre correctement. Les critères sont... Il faut savoir que tout est sur notre site Internet. Hein. Si les gens se posent des questions spécifiques, ils peuvent se renseigner sur notre site web. Les critères sont clairement établis. Le premier critère, c'est évidemment que l'ONG... Le projet touche l'enfance. Ça, en dehors de ça, on n'accepte pas de projet. Même si plein d'autres causes sont très valables. Mais nous, c'est notre mission. Ensuite, on s'est interrogé sur... Parce que cette année, notre budget CSR est quand même beaucoup moindre que l'année d'avant. Comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. On s'est interrogé sur vraiment ce qui était les priorités des priorités. Et pour nous, les priorités, c'est de payer les salaires des intervenants.
Et donc c'est moins dans le matériel, c'est d'assurer les services. Les services de base d'éducation et de soutien aux enfants en difficulté. Donc c'est sur ça qu'on s'est attardé cette année. Mais la sélection des projets se fait en comité. Je ne suis pas seule à décider. On reçoit les différents projets, on les lit, on les étudie, on rencontre les gens, on va sur le terrain, on va voir. Et là, on regarde bon, quelles sont les priorités et on essaie de pouvoir maximiser notre travail. Voilà. Dernière question, on sait que dans le National CSS Guideline, au niveau des salaires, ça devrait toucher 15% du projet. Est-ce que ça reste toujours dans ce critère de 15%? Alors, il faut faire très attention à cette notion-là. C'est une bonne question. Les 15% dont vous parlez, c'est les coûts administratifs. C'est donc les salaires du comptable, de la secrétaire, du manager. Mais ce n'est pas les salaires des intervenants dans le projet. Alors, on n'est pas concerné par cette... quand on parle des salaires des intervenants, là, je parle des psychothérapeutes, je parle des animateurs de rue, de Saphir, par exemple, je parle des professeurs, je parle des puéricultrices. Ça fait partie du projet. Donc, ils ne sont pas dans le cost d'administration cost. C'est complètement différent. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, on n'est pas concerné par ces 15% quand on prend cette décision-là. Voilà. Merci beaucoup.